Autorité pays d'Haïti à travers le Premier ministre Claude Joseph et directeur général à Ipolislan, Léon Charles, sorti dans le silencio pour 10 euros sous situation de violence qui frappe le pays d'Haïti pendant la semaine qui se passait là. Côté bilan, fait état de plusieurs personnes qui ont mouru dans le groupe gang qui a touché Konyo. Et dernier événement qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est l'invasion qui fait dans une série de commissariats dans la capitale haïtienne. Côté bandit, aller avec ZAM, aller avec matériel policier et puis tuer policier. Restez branchés, nous avons plus de détails pour vous. Bonjour, bonsoir Internet. Nous vous remercions parce que vous branchez nous. L'offre ça traduit confiance au fait. Et soit à peine branché Chanel là, nous vous bienvenue. J'ai déjà annoncé la situation de tension qui a gagné dans le pays, hein, attirer attention autorité haïtienne dans plus haut niveau de l'État. À côté, Premier ministre haïtien Claude Joseph et directeur général à Ipolislan, Léon Charles, te prend la parole dans la conférence pour la presse pour te fixer position sur la situation de violence qui a brassé le pays d'Haïti. Premier ministre haïtien Claude Joseph fait connaître l'État dans plus haut niveau à contrecarrer l'action bandit. Côté la police et la méta déjà mobilisé surtout dans une zone qui est très sensible. Et puis annoncé une série de mesures qui visaient à accompagner la population déplacée. Bon côté parle, le directeur général de la police, Léon Charles, qui a participé dans la conférence pour la presse. Fait qu'on est depuis plusieurs jours, la police déployée dans la zone Matissan dans l'idée pour assurer la sécurité de la population. Par bon côté parle, le directeur général à Ipolislan, Léon Charles, fait qu'on est depuis plusieurs jours, la police déployée dans la zone Matissan qui sont pour assurer la sécurité de population qui trouvait dans la zone Sayo. Pendant le fait qu'on est, la police a propulsé tout bandit qui a gagné l'idée pour attaquer une série de commissariats, gens, ça a commencé à faire dans la capitale haïtienne. Pendant le rappel policier, Wolio qui s'est protégé et servi la population. Donc, analyse d'aujourd'hui, il est basé spécialement sur déclaration Claude Joseph, qui est Premier ministre paysan, qui était accompagné avec le directeur général à Ipolislan, Léon Charles, qui tape par 10 euros sous la situation de tension qui gagne dans la capitale haïtienne. Donc, tout d'abord, on a pour le discours Premier ministre. Là. Et ça le dit, une bagaille dit qui retenu attention, non, c'est le lui parler de cerveau intellectuel qui a des actes banditistes, ça qui est lié avec le secteur politique. Claude Joseph, comme Premier ministre, dit clairement la privée sous monde qui a alimenté des actes de violence dans le pays. Est-ce que ça t'a sous-entendu que M. Claude Joseph t'a déjà au courant? Il a déjà connu qui monde qui des violences qui gagnent dans le pays. Par rapport avec situation violence qui gagne dans le pays, dernier jour ça yo, côté population à victime, côté gagne de policiers qui victime, or nous gagnons un premier ministre qui dit clairement haut et fort que li au courant de qui est ce monde qui des actes violence ça yo. M. Premier ministre, qui l'a agi, qui l'a metté et qui doit mettre la justice en branle contre Mounsayo. Donc, ça, c'est question seulement Claude Joseph comme Premier ministre, c'est qu'à répondre. Donc, si on allait plus loin dans le cadre du discours chef gouvernement, il dit la police mobilisée, l'État n'a plus au niveau de mobiliser pour contrecarrer les actes banditistes. Est-ce que vous êtes sérieux, monsieur le Premier ministre, quand on dit la police a contrecarré, ou du moins l'État a contrecarré les bandits dans la demeure? Or, nous connaissons bandits eux-mêmes. Déjà, puissance y a déployé dans les yeux de l'État et en bas de l'État. Donc, il y a un visé, action à poser, il y a un visé, défier l'existence de l'État. C'est vrai que yo dit c'est seulement l'État qui détenir la violence légitime, mais on dirait que gangyo c'est eux-mêmes qui a même de exercer violence légitime ça et sous qui est c'est sous l'État. Et en particulier, c'est sous population. Donc, au Capaboué, c'est eux-mêmes qui sont principales victimes face avec la situation. Ça. Et si on allait plus loin, nous apprenons le discours de M. Léon Charles, qui est porte-parole de la police. Il dit policiers, pour pas peur, pour défendre, pour protéger vie et bien la population. Et la police, là, il est là pour repousser toute attaque qui est venue et dans la situation éventuelle. Et attaque qui ciblait un commissariat. Commissariat, c'est de espace qui l'a spécialement pour garantir sécurité, vie et bien population qui alentour. Qui en dit population qui trouve au proximité de commissariat, c'est eux même principalement la police n'a gagné pour le protéger. Or pourtant, c'est eux même qui principal cible bandit et les actions à opposer. Les bandits ont décidé venir attaquer un commissariat et en dit ils ont fait yo bay résultat nan besoin que a exécuté. On dit yo ça ou vinn faire, ça ou vinn accompli commission, yo accompli et de fait
ou capable ouais gien policier qui mouri gien zame policier qui perdu gien gilet pare-balles gien munitions tout ça c'est action bandi posé pour défier l'autorité de l'état donc là qu'on a est-ce que nous capable continuer à chaque coup gien genre de situation ça au niveau de l'état pour que ou obtenir premier ministre cap venir cap zou et l'état pour prendre toute disposition pour limiter les dégâts ou du moins est-ce que vous joindre un premier ministre qui vient qui dit bon et par rapport avec cette situation par rapport avec situation qui existe actuellement dans le pays à côté et c'est côté gang avec zam a fait la pluie et le beau temps donc moi même en tant que premier ministre mais qui alternative moi gagne mais qui proposition mais qui plan pour l'exécuter dans tête collée bien entendu avec haut état major police là et puis et l'armée donc là monsieur Claude Joseph l'étape de mon ton sous t'es venu on t'a dit bon mais en situation qui existait depuis semaine dernière donc nous-mêmes du côté du gouvernement mais qui ça nous entend réaliser mais qui ça nous entend faire pour nous contrer carré bandit et là on capable remarquer pas vraiment gagner un plan d'exécution sur le plan sécuritaire dans le pays or pourtant nous avons nécessité pour gagner des actions concrètes qui posaient parce que pays en danger population en danger face à genre de situation ça face à recrudescence zak insécurité surtout dans les quartiers défavorisés côté gang a fait la loi. Donc est-ce que Claude Joseph qui c'est premier ministre il gagne un plan concrètement pour les contrer carré bandi yo? Or le nous tend des discours li nous ouais c'est presque les mêmes chansons. C'est dit yo pas contrer carré bandi mais pourtant bandi yo presque fait 5 jours là, il a défié l'autorité de l'État. Il y a moun qui attribue là avec des actions politiques comme premier ministre Ayan et Claude Joseph. Est-ce que si nous allons dans la même ligne avec Claude Joseph pour nous dire est-ce que c'est deux politiciens qui insouciants de dégâts, insécurité ça qui sans pareil capable gagner sous et population est-ce que c'est insouciant ce qui fait au pas rendre compte de situation qui présente non nous pas connait mais c'est à l'état lui-même qui pour prendre responsabilité automatiquement ou identifier un groupe ou bien un secteur qui derrière des actes banditistes cap commettre dans le pays, c'est à l'État pour prendre responsabilité. Ce n'est pas une population, mais ça nous prend le faire pendant ce temps. Il y a 5 jours de cela, côté une situation qui existait, on dit 5 départements, on dit 5 départements censés déconnecter avec la capitale haïtienne à cause de Martissan, à cause de zone Martissan, côté c'est là, bandit au tap coupé haché. Donc, presque 5 jours passés, on parle de vraiment une autorité qui pour dire un mot qui pour prend de initiative qui pour remédier à la situation. Donc c'est après où une jeune un premier ministre qui dit bon oui nous pas claquer bandi. Là c'est quelque part et prend situation qui existait trop à la légère. Parce que ou une situation côté gien de monde qui gien zame nan meyo qui sans contrôle ou une population qui en face yo qui pas cavaquer qui pas cavaquer à occupation qui sont ces prisonniers de propre pays. Qui sont prisonniers de une réalité que pas même peut-être connaît ça qui a passé. Donc là on pas comme premier ministre pour venir pour dire c'est traquer nous pas traquer bandi. Pourtant ou connaît bandi était là déjà ou connaît action à poser. Donc il faudrait-il bien gagner de initiative qui prend pour et mettre la peine en pays. Nous ouais directeur général police là il dit il a repoussé tout le monde qui a une intention attaquer de commissariat. Pourtant il y a environ 5 commissariats qui attaqué. Donc là, monsieur Léon Charles, ballon est un peu lié. Bandi yo même, yo bon démonstration, yo démontre que yo même, côté yo en bloc par yon, c'est yo qui gère, c'est yo même qui dirige. Donc, est-ce que la police, c'est la police pour un petit coin, pour un petit bloc? Non, bah c'est la police, c'est pour tout pays. Donc, si la police, c'est pour tout pays, c'est à même avec la police, dans une seconde zone qui représente une menace pour la police à intervenir pour mettre la paix. Nous premièrement nous capable dire son on déclaration qui est plus semblé de répéter des choses qui dit déjà des choses et de temps en temps qu'a répéter les genre de situation ça là nous besoin d'action qui capable bailler résultat sur le plan sécuritaire donc si nous même dans la police dans haut état major police nous senti nous manquer moyen que nous à chercher de ressources qui disponibles soit à l'interne ou à l'externe mais pour nous dégager nous comme déjà pour nous bailler population en sécurité. Mais cela dit et n'a propulsé toute attaque qu'a fait sous commissariat pendant ce temps nous identifier mon yo. Donc la police prend responsabilité et gouvernement n'a plus au niveau
qui c'est président de la République, là, qui c'est premier ministre, là, situation qui est là, son situation qui n'est pas bon du tout pour nous. Son situation qui est très amère, son situation qui nous très payant, pas de monde qui a dirigé. Parce que si on fait 5 jours, on dit moitié, on dit yon bon parti dans le pays, ça c'est bloqué à cause de l'action bandit, la police n'a pas qu'à avoir une réponse. Donc là, monsieur, et là, on a un qui pas marché. Donc là, c'est à nous-mêmes pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous faire résultat. Et l'autre bagaille, nous sommes capables de dire pour qui ça l'État, sous qu'on est monde qui a agi ou bien qui a alimenté les bandits, pour qu'ils ne soient pas arrivés sur eux, pour qu'ils ne soient pas au même ou à l'écouter directement, si c'est la justice ou à vous écouter, pour qu'ils ne soient pas au même. Pour qu'ils ne soient pas dans la radio, dans la conférence, ou à dire que les gens qui ont posé action, l'État qu'on est, la privé sur nous. Non, mais, c'est pas sérieux ça. Dans le pays sérieux, on peut avoir un monde, on peut avoir une entité qui prend responsabilité pour troubler la paix publique. On peut avoir l'État, dans le plus haut niveau, prend initiative, prend décision pour traquer les gens dans la dernière demeure. Mais pourtant, en Haïti, ce n'est pas ça que nous faisons. Nous plus parler en pile, nous plus dire des bagailles dans la bouche, mais au fait, ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc là, monsieur, c'est bien nous sortir dans le silence, nous montrer l'État a gagné aux yeux. Ou bien l'État te bon zore qui t'a pris de toute bagaille qui t'a passé dans le pays, hein? Même j'ai à tout le monde. Mais là maintenant, nous, en tant que l'État, nous pas se constater pour nous constater, nous pas se yeux pour nous gagner sur le bagaille seulement, il faut que nous agissions. Sur ce, nous avons dit merci à tout le monde qui a pris de nous et à très bientôt.